Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tirage express concernant les relations entre la France et le continent africain. Je vous propose ce tirage avec les cartes du Tandou car je suis partie du principe qu'on pouvait considérer la France et le continent africain comme deux entités, comme un couple. Donc là, je vais m'axer principalement sur tout ce que nous entendons depuis quelques semaines concernant le Niger, maintenant le Gabon et tous les pays qui étaient déjà concernés, dont le Mali, le Burkina Faso et d'autres. Donc nous allons tout de suite regarder ce que nous pourrons avoir comme information donc, concernant les relations de la France avec ces pays qui reprochent à la France d'avoir instauré un climat très défavorable pour eux et d'avoir profité de leur richesse. Donc ici, on me parle d'humiliation d'ores et déjà. Donc voilà, on en est là. Donc cette carte ici est donc la répudiation. Hein. On me montre quelqu'un qui rejette femme et enfant. Un monsieur. Donc ils se sont sentis humiliés et rejetés. C'est des gens qui n'ont pas eu l'estime dont qu'ils semblaient mériter, en tout cas dans cette relation. La lutte de pouvoir, intéressant. Et la lutte de pouvoir est recouverte par une espèce d'image un petit peu d'Adam et Ève hein, dans le paradis originel. Et pour moi, on nous montre tout simplement la nature. Hein, donc la lutte de pouvoir, bah, écoutez, pour implanter une religion, pour implanter une culture, pour implanter cette diversité qui n'existait pas. Et aujourd'hui, donc, plus personne ne semble vouloir l'avoir en Afrique. Embarrassé. Alors ici, on voit une personne qui observe un couple dans son intimité. Et on peut parler, et ça peut tout à fait imager la situation de nos relations actuelles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a été, je pense, observé pendant très longtemps dans notre manière de fonctionner avec le sol africain, avec les richesses de ce peuple et avec ce que nous en tirons chaque année. Nous sommes embarrassés aussi d'avoir été épiés par rapport à ça. Et nous avons été également tellement... sûr de nous jusqu'à présent, que la situation n'était pas vraiment cachée en fait. Hein. On faisait même plus vraiment attention à se cacher ici. On nous parle du devoir qui est recouvert par l'homme qui est bandé et qui suit la femme sur un point. Pour moi, on parle vraiment ici de la façon dont l'Afrique a été conduite aveuglément par la France. Et on me dit qu'ils n'avaient pas le choix ici, c'était vraiment un devoir. Les choses leur ont été imposées, semble-t-il, et bien entendu, au conditionnel. On me parle d'aversion. Et de dispute. Et de dispute, oui. La carte de la mer ressort. Et c'est vrai qu'on peut considérer la terre-mère peut-être. On peut considérer aussi que la France a pensé, semble-t-il, se comporter comme une mère de famille envers l'Afrique. Et pourtant, on voit ici que c'est une responsabilité très lourde à porter et que les choses sont déséquilibrées. On voit une relation d'esclavage ici. Donc le rôle qui devait être positif ne l'est pas. Nous parle de fausseté et de relations internationales et on peut voir ici, donc avec les différents traits, on peut nous parler de télécommunications. Hein. Donc les informations aussi ont été tronquées et certainement réécrites. La colère, oui, effectivement, le peuple est en colère pour le moment et ça s'entend. Et là, je vous invite vraiment à regarder cette carte qui représente une personne de couleur noire qui tient une pierre dans sa main et qui se bat contre une personne qui, elle, semble vouloir la retenir et qui n'est pas du tout du même type, c'est-à-dire qu'elle est plus, je dirais, d'origine asiatique ou semble-t-il sur la photo. Donc pour moi, il y a vraiment la rébellion ici hein, qui est clairement mise en scène. La carte de l'expert,
est de nouveau l'illustration d'un homme qui porte toute la charge sur son dos. Pour moi, on nous parle vraiment d'abus, hein. On nous parle vraiment d'amasser ici toutes les richesses, de prendre toutes les récoltes. La carte du jeu est ici un tableau un peu onirique. On a menti, on a fait passer des choses en fait, on a montré les choses d'une certaine façon, plutôt édulcorée, plutôt plaisante. Et c'était un jeu jusqu'à présent de pouvoir profiter des biens d'autrui. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment sur cette situation entre les relations France et Afrique. J'envoie tout mon soutien à toutes les personnes qui vivent des situations très compliquées dans le monde. Bien entendu, je m'adresse également à tous les autres peuples et je pense très fort à toutes les personnes qui se retrouvent en tenaille dans des guerres qu'ils n'ont pas forcément choisies, bien entendu. Et je pense très très fort à toutes les personnes qui ont des familles qui sont sur place, qui ont très peur, j'imagine, de ce que ça va devenir pour eux. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter un petit complément d'information. Je tenais à le faire afin de pouvoir apporter aussi quelques informations complémentaires et apporter mon soutien à toutes les personnes dans le monde qui souffrent de guerre et de répression. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.